Voilà. Donc voilà, donc vous êtes bien pour la 14e journée du championnat de France de Fédéral 1, où vous allez assister à la rencontre qui va voir opposer donc le rugby Tango Chalonnais au stade de Léo Lagrange face à l'équipe du CA Pontarlier Rugby. Donc pour cette présentation d'équipe, donc on a la chance aujourd'hui d'être avec Fabrice Maître à la caméra. Bonjour Fabrice. Avec Noé Santos à la caméra à bord de terrain. Et Noé Santos est en train de nous filmer notre magnifique Christophe Savaya. Salut Christophe. Heureux de te retrouver pour une nouvelle vidéo d'une saison en Ovalie, dans ce magnifique stade Léo Lagrange. Alors pour commencer, est-ce qu'on peut parler des conditions météo, Christophe? Ah ben on est parti pour un plan large avec les images du match des espoirs que Fabrice est en train de nous filmer. Donc on est sur un score de 19 à 10 en faveur de l'équipe de Pontarlier. Et on va permettre à notre ami Fabrice donc de nous montrer ces belles images en attendant. Et pendant qu'on regarde ces belles images, on va vous présenter le programme de la journée dans le groupe 1 donc de Fédéral 2. Donc cet après-midi, le Creusot reçoit le Puy-en-Velay, Villard-des-Dombes reçoit Dole, Nantois Mézieux, Saint-Priest Andrézieux Bouton, Rieux-la-Pape reçoit Saint-Cleuve, et bien sûr l'affiche qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'affiche de Chalon-sur-Saône qui reçoit Pontarlier. J'ai envie de dire c'est un match à 8 points dans le sens où ces deux équipes sont très proches au classement, et c'est un match qui va valoir son importance au niveau de la course au maintien. Donc avec Noé Grammer à bord de terrain qui va nous faire un petit zoom sur la petite mêlée, si tu peux nous faire un petit zoom mon petit Noé, voilà, super, voilà, on aura la chance d'avoir ce dispositif avec les trois caméras. Et donc on en profite pour faire un petit coup de pub pour le match de l'équipe de France U18 qui se déplacera au stade Léo Lagrange le 9 mars prochain. On est venu faire des repérages pour vous proposer les meilleurs dispositifs, on l'espère. Et donc on espère qu'on va passer un très très bon moment. Au niveau des résultats de la semaine passée, lors de la 13e journée, on va regarder les résultats des équipes qui nous intéressent. En l'occurrence, Pontarlier, son match était reporté face à l'équipe de Nantua. Donc l'équipe de Pontarlier a peut-être un regain de fraîcheur pour cette journée. Hein, je ne sais pas ce que tu en penses, Christophe, le fait d'avoir un match reporté en période hivernale, ça peut être un avantage. Tandis que l'équipe de Chalon-sur-Saône s'est inclinée sur un score de 24 à 21 au Puy-en-Velay. Donc une équipe chalonnaise qui a rapporté un bon point de bonus défensif. Qu'est-ce que tu en penses, mon petit Christophe? Alors, on a perdu Christophe, il est parti au niveau de l'arbitrage. Alors Fabrice, je ne sais pas si tu as entendu, par rapport à l'aspect, à mon avis, fraîcheur. Un match comme ça reporté pour Pontarlier à une semaine d'un gros match à Chalon, est-ce que ça peut être un élément favorisant, selon toi, Fabrice? Absolument, mais c'est vrai que par contre, on peut peut-être manquer de rythme pour Pontarlier. Chalon-sur-Saône, qui a fait il y a 15 jours, si vous étiez présent sur une saison en Ovalie, un magnifique résultat face à l'équipe du Creusot et qui s'était imposé la dernière minute après un magnifique essai de dernière minute de Poujade. Alors, on va continuer à suivre ces matchs des espoirs en vous présentant le classement de cette Fédéral 2 et du groupe 1 avec Nantua qui caracole en tête après 12 matchs joués. Donc, Nantua qui a 48 points. Donc, suivi de Saint-Priest, Villard-des-Dombes, Le Creusot, Rieux-la-Pape et Le Puy-en-Velay. Ce sont les 6 équipes qui sont potentiellement qualifiées pour les phases finales. Suit Mézieux, Chalon-sur-Saône, Dole et Pontarlier. Et comme vous pouvez le voir, entre Dole et Pontarlier, Chalon-sur-Saône, pardon, Pontarlier, il y a 4 points. Donc c'est un match à 8 points, j'ai envie de dire, hein, Fabrice. Le fait de pouvoir gagner Chalon-sur-Saône face à Pontarlier aujourd'hui, ça peut leur permettre de prendre 8 longueurs et de distancer Pontarlier pour la lutte contre le maintien. Absolument, absolument, c'est vrai que c'est important. Alors on va suivre Noé, ces images bord de terrain, voilà des joueurs qui se congratulent. Au niveau du face-à-face entre les deux équipes, on a fait un petit tableau habituel qui vous présente dans ce tableau habituel les forces en présence. Donc Chalon est 8e face à Pontarlier qui est 10e. Au classement britannique, Chalon a 4 points, tandis que Pontarlier a 0, donc un bilan nul. Au classement britannique qui montre qu'on a quand même une équipe de Pontarlier qui est solide sur ses bases, solide à la maison, et malheureusement qui n'a pas gagné à l'extérieur. Donc 4 points d'écart comme on l'a dit tout à l'heure.
6 victoires pour Chalon-sur-Saône et pour 7 défaites, tandis que voilà, Pontarlier a moins joué au niveau des matchs, et des matchs reportés comme on l'a dit tout à l'heure, 5 victoires pour 6 défaites. Au niveau donc des points, alors on a une équipe de Chalon-sur-Saône qui marque beaucoup plus de points que Pontarlier, 243 points contre 227, mais méfions-nous que Pontarlier ayant des matchs en retard, ça montre qu'il y a très peu d'écart, il n'y a que 20 points, donc on a une équipe du Jura qui est excellente au niveau du score et de l'attaque. Par contre, au niveau de la défense, Chalon-sur-Saône encaisse beaucoup trop de points, 351 points encaissés, tandis que Pontarlier est beaucoup plus solide avec seulement 276 points. Et donc voilà, on a une équipe de Pontarlier qui arrive peut-être derrière au classement, mais qui a des arguments à mettre en avant. Avec une. Oui ? Un petit problème de la carte mémoire. Donc bon, on va faire une petite pause et je vais venir voir Fabrice, voir ce qui se passe. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, Lionel. Nous avons la quatrième journée du championnat de France de fédération. Une 14e journée de fédération. Nous allons voir s'opposer les équipes de rugby Tambo Chalonnais à celle de l'athlétisme de Pontarlier. L'arbitre de la rencontre sera Mathieu Sassatelli de la Ligue Île-de-France et Michel Seguier, la représentante fédérale de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté. Quant à la composition des deux équipes, et pour le CA Pontarlier, le numéro 1, Romy, le numéro 2, Luc, le numéro 3, Clément, le numéro 4, Mère, le numéro 5, Albert, le numéro 6, Parizeau, le 7, Pellegrini, le 8, Fidel, le numéro 9, Perret, le numéro 10, Novisky, le numéro 1, Bézard. Alors, le problème de carte mémoire a été réglé. Merci, mon petit Fabrice, de m'avoir averti. On a pu régler ça. Merci, Lionel. Alors, j'en profite pour faire un petit coucou à Lionel Torossian de la société Business Event qui va nous proposer un magnifique écran géant pour le match international et qui est venu repérer, à qui on a bien travaillé à midi. Et on a pu se remémorer l'époque dorée du Creusot et voilà, les aventures de cette équipe du Creusot dans les débuts des années 2000. Donc, un petit coucou à Lionel Torossian et à sa société Business Event. Alors, chers amis, en attendant, donc voilà, donc là les espoirs qui se saluent. On va préparer donc la petite vidéo du TOS. Donc on a eu la chance grâce à l'arbitre donc de pouvoir assister au TOS. On va vous présenter ce TOS tout de suite avant les compositions des équipes. C'est parti. Le 13, Kylian Thibert. Le 14, orange, jaune ou bleu, comme vous voulez. Est-ce que vous avez des questions? Pas particulièrement. Pas de souci. Très bien. Juste, vous êtes mes deux interlocuteurs sur le terrain, d'accord? Donc tout passe par vous. Ça marche. Je siffle une faute, je dis ce que je siffle. Si j'ai besoin de donner plus d'explications, je vous appellerai. S'il n'y a pas besoin, et si vous avez des questions, par contre, on attend l'arrêt de jeu suivant. On ne vient pas couper le jeu à ce moment-là. D'accord? Ça marche, pas de souci. Très bien. Je vous laisse choisir la couleur, noir ou bleu? Noir. Noir. Je vous laisse jeter la pièce par terre, s'il vous plaît. Noir. Le coup d'envoi? Oui. Prendra le premier terrain. Le terrain qui est à côté des serveurs. À côté des serveurs. Ouais. D'accord, donc vous rentrerez en premier, vous irez directement au fond. Ça marche. Donc à 15h10, vous allez attendre à côté de l'escalier. Très ça bien. Ça marche, on fait comme ça. Je vous souhaite un bon match, messieurs. Merci beaucoup. Bon match. Bon match. Voilà, on a pu vous présenter le TOS, donc on est très content d'avoir pu assister à ce moment privilégié de ce coup d'envoi. Donc avec Fabrice, on va faire un plan large, mon petit Fabrice, avec la caméra plan large, on va se mettre au milieu du terrain. Voilà, exactement, parfait mon petit Fabrice. Et grâce à ce caméra plan large que Fabrice nous propose, on va pouvoir vous présenter la composition des équipes. On va commencer par l'équipe chalonnaise. Première ligne, Fernandez, Grenoron, Ranzulo. Deuxième ligne, composée de Menweg et de Ferrar. Troisième ligne composée donc de Berthou numéro 6, Lacombe numéro 7 et Robin Donnet en numéro 8. La charnière chalonnaise est composée de Takouachet et de Mérigon. Au centre, on a le capitaine Marot associé à Thibert. Et le triangle d'arrière est composé de Imbet, Poujade et Girard, l'arrière artificier de cette équipe chalonnaise. Remplaçant, on aura Boileau, Guy, Le Mercier, Spinel, Grenoron, donc l'autre frère, Simonato et Genevois. Et donc ces joueurs nous seront présentés par Christophe qui sera au bord de terrain. Voilà Christophe qui est déjà là et qui nous présentera au fur et à mesure les changements tout au long de la partie pour cette rencontre.
Au niveau de l'équipe visiteuse, donc pour Pontarlier, on a en première ligne Renou, Lucon et Clément. En deuxième ligne, c'est Maire et le capitaine Albert. Troisième ligne composée de Parizeau, de Pellegrini et de Fidinde, l'ex-joueur de National 2 du stade Dijonais. En la charnière, on a Perret et Novicki. Au centre, on a Pontarlier, De Villers. Et enfin, au triangle d'arrière, Bézard, Grossen et Stab. Voilà pour l'équipe d'arrière. Pendant que Noé va tout doucement s'approcher donc, de la sortie des vestiaires avec peut-être Christophe si vous voulez, ou tout seul Noé. Donc s'approcher, donc, tu peux traverser le terrain, Noé, il n'y a pas de problème. Et aller en face des poteaux pour l'arrivée des joueurs qui devraient pas tarder à arriver. Et au niveau de l'équipe donc, du Pontarlier, les remplaçants, on a Tchoukouyé, Tonin, Salvi, Deleule, Claudet, Gomeret et Gouillet. Voilà pour l'équipe, pour la composition des équipes. Donc voilà, on y est, donc on est pas mal. Donc on va mettre en place le score, le tableau d'affichage pour le score. Voilà, tout est prêt. Excusez-moi pour le petit bug technique, mais on va y arriver. On va pouvoir présenter les petites statistiques. L'objectif pour nous, c'est de nous entraîner pour ce fameux match international. Mon petit Christophe et mon petit Fabrice, c'est vrai qu'on est, on en a bien parlé à midi. On est impatients de vivre ce moment-là. Voilà, les overlays sont bien placés, tout est nickel. Et au niveau de la capture d'écran, parfait. Bah écoutez, on est pas mal. Hein. Mon petit Christophe, alors, toi qui on a pu assister à ce toss, on a deux équipes qui semblaient concentrées avec des capitaines qui étaient également concentrés avec le coach. Allez, Noé va nous faire un petit plan serré. Fabrice va pouvoir aussi tourner la caméra du côté l'entrée des joueurs avec le plan serré, mon petit Fabrice, pour qu'on puisse avoir les deux plans. Voilà. Et mon petit Noé, parfait pour le plan serré, impeccable. Fabrice également, vous voyez, on voit ici donc, les tribunes qui sont latérales. Donc c'est un dispositif un petit peu particulier. Voilà, nickel, on est bien. Avec Noé également, voilà les gars, des grands professionnels. Fabrice et Noé, nickel. Avec les espoirs ici de Pontarlier qui rejoignent l'équipe. Voilà, et on va voir... grâce à ces différents plans, la possibilité de vous montrer donc les joueurs qui vont sortir avec les espoirs chalonnais qui sont dans les escaliers, comme vous pouvez le voir. À la sortie du vestiaire, c'est toujours un moment particulier, Fabrice, hein, toi qui as joué à Buxy. C'est vrai que cette sortie du vestiaire, c'est un moment toujours un petit peu intense. Allez, sortie des joueurs de Pontarlier avec le capitaine Albert en première ligne. Voilà, voilà la sortie de ces joueurs jurassiens. Avec Fidinde, ici l'ancien transfuge, le transfuge de l'équipe dijonnaise. Et voilà l'équipe chalonnaise qui rentre sous la musique bien connue de Europe. Pour les amateurs de la musique des années 80, voilà, et voilà l'équipe chalonnaise qui sort, et on va assister à un magnifique duel. Alors on n'a pas présenté les arbitres, si tu peux nous présenter, Christophe, les arbitres, c'est monsieur Mathieu Tassarelli, c'est ça? Parfait, Noé va pouvoir revenir au bord du terrain, mon lapin, pour le coup d'envoi. Ah oui, mon lapin, je l'appelle Noé mon lapin, bien sûr, hein. Le fiston qui est fidèle au poste. Et donc on est voilà, face à la tribune Michel Vanier grâce aux belles images de Fabrice. C'est l'équipe Pontarlier-Rennes qui va donner le coup d'envoi. Et merci à vous de nous suivre nombreux sur une saison de Dali. Et d'être présents déjà nombreux sur les réseaux sociaux à nous suivre. Donc vous pouvez nous suivre, comme vous l'avez vu, sur Facebook, Twitch. Instagram, donc Noé va se mettre du côté gauche du terrain pour le coup d'envoi, pour la réception du côté de l'équipe chalonnaise. Voilà, Noé avec le coup d'envoi qui va être donné ici par l'arrière de l'équipe de Pontarlier. Donc l'arrière de l'équipe de Pontarlier, c'est Stab, comme vous voyez ici.
Et c'est parti. C'est parti pour 40 minutes de bonheur. Il va montrer le micro-arbitre. Alors, est-ce qu'on entend le micro-arbitre? Pour l'instant, on n'entend pas trop. Le premier échappé, voilà. Alors, ouais, on n'entend pas l'arbitre. Ouais. Allez, donc première position de l'équipe chalonnaise. Comme vous pouvez le voir, les Chalonnais qui gardent le ballon, qui ne l'ont pas rendu. Et première pénalité. Donc là, on va expliquer la gestuelle. Voilà, et donc Chalon qui va profiter donc de cette pénalité pour prendre un petit peu d'air et rentrer pour la première fois de cette partie dans le camp adverse. Donc j'ai pas mis le chronomètre. Je m'en excuse, donc je vais réparer ça tout de suite. Donc ouais, on va avoir un petit décalage au niveau du chronomètre, je vous demande pardon. J'ai oublié de vous mettre le chrono, chers amis. Donc ici, on va avoir donc la touche lancée qui va être offerte donc aux Chalonnais. Première touche de cette partie. Allez, on va voir l'alignement qui va être proposé. Donc au niveau du lancer, c'est Grosneron, le talonneur, qui sera au lancer. Allez, magnifique. Ah, puis, premier ballon contré. Alors ça commence mal pour l'équipe chalonnaise avec un premier ballon perdu. Premier ballon contré. Allez, avec Fidin d'ici. Ici, qui se bat bien là, on voit un beau duel. Allez, le ballon va être éjecté. Et première banderie de l'équipe jaune et bleue. Voilà, et on écarte le ballon. Et voilà, Pontarlier qui, sur cette balle chippée en touche, rentre dans le camp chalonnais et met les Chalonnais sur le reculoir au niveau de la défense. Ils ont gagné plus de 40 mètres, ils sont dans les 22 et ils récupèrent. Ah non, malheureusement, pénalité. Et Christophe va nous expliquer ce qui s'est passé. Voilà. On va ralentir, on voit la gestuelle de monsieur l'arbitre. Voilà, il va revenir. Voilà, sur le direct. Donc pénalité, nouvelle pénalité jouée au pied par l'équipe chalonnaise. Voilà, exactement. Voilà, donc un nouveau dispositif qu'on peut le voir de ralenti. On essaie de vous mettre les ralentis 3 caméras. Et donc on va essayer de vous montrer des belles images. Allez. Nouvelle touche offerte à Grosneron. Alors première tout à l'heure a été manquée, mais là on change de dispositif avec une touche jouée en fond d'alignement. Et le ballon, voilà, magnifique duel là ici, ouais, grâce aux belles images de Noé. On va revoir le ralenti. Avec le haut sol, voilà ce qui s'est passé, l'action au sol, voilà le duel et le ballon malheureusement qui a été conservé. Voilà, on va revenir au direct. Donc pénalité cette fois-ci qui va être offerte à Girard. Donc on va aller, plan serré. Donc là, on est en face des poteaux, à 40 mètres. Alors, j'ai perdu la caméra de Noé, mais ça va revenir. C'est numéro 15. Voilà, on va revenir sur le buteur, Girard. Coup de pied qui est bien parti et qui passe. Ouverture du score à la 3e minute de jeu par une pénalité signée par le numéro 15. Pénalité réussie par le numéro 15. Girard.
rugby tango Chalonnais 3, c'est à Pontarlier 0. Exactement. Et c'est parti. Et Chalonnais qui réussissent parfaitement cette entame. Et malheureusement, nouvelle pénalité, mais cette fois-ci, on garde le ballon du côté chalonnais, Christophe. Va revenir suite à Noé qui se positionne. Donc pénalité pour l'équipe de Pontarlier, joue également au pied, donc c'est la première pénalité pour eux et on en profite pour jouer au pied. Allez, belle touche. Donc c'est le premier lancé qui va être offert à l'équipe pontarlierenne. Allez, magnifique alignement. Touche conservée, alors un petit peu coiffouillée mais conservée quand même. Il y a un magnifique duel. Alors, on a dommage, on n'a pas le son. On est un petit peu frustré parce qu'on a pris des bonnes habitudes, j'ai envie de dire. Et une nouvelle pénalité. Là, la gestuelle de... Et c'est joué rapidement la pénalité. Hein. Pénalité jouée rapidement à la main par Pontarlier. Absolument. Le bras élevé de l'arbitre est très clair. Ah, boum! Regardez ce duel et cette rencontre en défense. Voilà, Fidane qui a été chassé par le numéro 7... Chalonnais, oh, pareil, nouvelle défense du numéro 4 Menweng. Mais là, on va, monsieur Sassarelli revient. Donc, si Christophe, tu peux nous expliquer comment on n'a pas le micro. Allez, c'est joué. Pénalité joué à la main deuxième fois. Cette fois-ci, c'est par les avants. À la sixième minute de jeu. Essai. Apparemment, non. Voilà. Donc, le ballon, la gestuelle est claire. Voilà. Donc, il y a une attitude, il y a une gestuelle qui est particulière. Si tu peux l'expliquer, mon petit Christophe. Allez, donc renvoi dans but, cette nouvelle règle qui est pour moi une magnifique réussite dans le rugby moderne. C'est ce renvoi dans but parce que ça quand même donne la possibilité à l'équipe qui dominait de pouvoir récupérer le ballon en bonne position. Et Pontarlier, voilà, qui en profite avec cette possibilité de pouvoir à nouveau mettre la défense chalonnaise sur les talons, sur le reculoir. Et du côté de Pontarlier, on propose des belles choses, des belles variations. Allez, avec ici des leurres, comme vous pouvez le voir, qui sont... Ouh, ballon perdu, turnover ou pas? Non, toujours rendu. Voilà. On va regarder ici, voilà la gestuelle. Et en avant, voilà, Noé qui va se positionner face. Et ça va être la première mêlée, les amis. Alors, c'est dommage, on n'entend pas M. Sassarelli. Le micro, on ne peut pas le... Bon, il y a eu peut-être un problème de réglage et de branchement, parce que là, je l'ai mis... Mais oui, je l'ai bien branché pourtant. Et donc là, c'était pas une mêlée, c'était une pénalité finalement, c'est ça? Ah, la mêlée? Je comprends pas. Donc c'était un coup franc, c'était pas une mêlée alors? Donc c'était une pénalité jouée à la main pour Chalon. Comme on n'a pas le micro, on a un petit père. Alors c'est vrai qu'on regrette malheureusement de ne pas avoir le micro. Donc là, cette fois-ci, est-ce que c'est vraiment en avant? La gestuelle, elle est claire ou pas? Là, elle est claire, en avant. Nickel.
Et donc là, on va pouvoir assister à ce premier duel. Alors Fabrice, la première mêlée, c'est toujours un moment particulier hein, pour les avants. Hein. Ben exactement, nous non plus. Alors comme on n'a pas le micro de M. Sassalili, on suppose voilà, que bien sûr, c'était tout à fait... On ira poser la question pour comprendre ce qui s'est passé, mais voilà. Et puis on essaiera de pouvoir rebrancher son micro. Allez, donc avec les images de Fabrice en plan large et plan serré. Et on va essayer donc d'avoir un petit plan sympa de Noé. On va attendre qu'il s'installe. Voilà, et parfait avec Noé qui nous montre, regardez, ses premières lignes avec un plan extrêmement serré là, de la première ligne. Ça, c'est super, Noé. Il sait me faire plaisir, Noé. Par contre, essaie de garder toujours la bonne hauteur. Nickel, Noé. Allez. Et magnifique duel en mêlée, gagné par Pontarlier avec Fidinde qui sort et qui s'échappe. Et turnover, et ballon récupéré par l'équipe chalonnaise. C'est le premier turnover de l'après-midi. Avec les Chalonnais qui lancent un contre au milieu du terrain. Dommage, faute de main. Parce que c'était un magnifique contre. Et on va se retrouver avec malheureusement un ballon rendu à l'équipe de Pontarlier. Premier turnover de la partie. Et enfin, Fabrice et Christophe Chalon qui a essayé de nous proposer un petit peu de jeu de main qui fait la force de cette équipe qui est jeune. Hein. Absolument. Et c'est vrai que c'est une équipe de Chalonnaise qui est peut-être légère au niveau des avances. C'est pas un gros pack, mais c'est une équipe qui est extrêmement mobile. Hein, j'imagine, Fabrice, que quand on est lourd et costaud, quand on a une équipe adverse qui te fait courir, c'est compliqué. Hein. Bah, ça signe. Ah non, mais rien. Mais non, mais toi, t'étais plutôt dans les beaux gabarits, hein, si on peut. Donc là, c'est un coup franc, hein. Coup franc, joué à la main par Chalon. Oh, vous avez entendu le plaquage? Ça claquait là. Allez, coup franc, joué à la main, 9e minute, 11e minute de jeu. Et on a l'équipe chalonnaise là, qui prend son temps et qui joue à sa main, ici, dans cette zone de marque. Là, on est... Ah, malheureusement, alors on perd le ballon. Exactement. Donc il faut qu'on explique voilà, cette règle, Fabrice, hein, Christophe, pardon, l'importance voilà, d'être toujours sur ses appuis. Voilà, et Chalon qui profite de cette touche non trouvée. C'est bien dommage parce que Pontarlier se prive d'une munition en terre chalonnaise. Et les Chalonnais n'en demandaient pas tant. Regardez-moi ces Chalonnais qui, une fois de plus... Oh, malheureusement, turnover cette fois-ci pour l'équipe de Pontarlier. Allez, cette fois-ci, c'est Pontarlier qui va pouvoir montrer ce qu'ils sont capables de faire. Et voilà, l'ailier, non, le numéro 10 qui s'échappe sur l'extérieur. Et là, il y a un magnifique duel. Alors il y a le numéro 23 qui est présent sur le terrain. On fera donc il y a peut-être est-ce qu'il y a eu un changement? J'ai pas cru voir de changement. Mais peut-être qu'il y avait un maillot rétrécissant. Donc là on n'a pas été informé de ces changements de numéro. Et pénalité. Ah, c'est dommage, on n'entend pas M. Sassadi. Mais pénalité, donc on va faire un plan large pour voir ici sur la zone de marque, on est sur une pénalité sur la ligne des 50 mètres et on va tenter. Donc premier coup de pied pour les visiteurs, donc je vais positionner le coup de pied, il va être positionné ici. Et si je dis pas de bêtises, c'est Stab, le numéro 15, qui va tenter le coup de pied. Stab, première tentative de la part du buteur de Pontarlier. Magnifique gros plan de Noé, Noé ça me fait plaisir. Voilà, donc on voit ici comment Stab va être positionné pour tenter ce coup de pied. Et voilà, coup de pied, comme on le montrait là, à hauteur des 50 mètres. Alors, ta caméra, elle bouge beaucoup, mon petit Noé, je ne sais pas ce qui se passe. Ça, là, c'est bien, là, c'est stable. Ça montait, ça descendait. Oui. D'accord, ok.
Pas de souci, on comprend. Première tentative de stab, et est-ce que ça passe? Non. Si je dis pas de bêtises, c'est passé sur la droite. Premier coup de pied raté à la 13e minute de jeu. Par stab, par numéro 15. Allez, Girard. Et contré. Alors là, c'est un peu cocasse ce genre de choses, mais ça arrive. Et Chalon qui montre une fois de plus. C'est une équipe qui a envie de jouer. Oui, alors il faut protéger. On va expliquer les règles propres à la Fédérale 2 également, mon petit Christophe. Et comme vous pouvez le voir, voilà, coup de pied raté par Stab. Donc, première possibilité pour l'équipe pontarlière d'égaliser qui a été malheureusement manquée un petit peu. Voilà, c'est vrai que le coup de pied était longue distance. Voilà, ces images-là, vous voyez le petit Noé avec son petit gilet jaune. Voilà, Noé, tu peux faire un petit coucou à ta maman, lève le pouce. Pouce levé. Non, il est concentré là. Ah oui, pouce levé. Parfait. Allez, lancé donc du talonneur. Et voilà, l'équipe Cholalanaise qui profite de cette pénalité à la 14e minute pour relancer une nouvelle banderille dans le camp de Pontarlier. Et on écarte voilà, chez Chalon, cette équipe qui a envie de faire vivre le ballon et qu'on avait déjà vu au Creusot nous proposer de très belles choses. Et une nouvelle pénalité, je vais rapidement à la main. Mais là, M. Sassatelli ne le laisse pas faire, hein, Christophe. Hein. Donc là, je pense qu'il a envie d'échanger. On va regarder, faire un plan serré avec Noé. Là, premier carton, je crois. Premier carton jaune. Alors, tu me donneras le nom du joueur, mon petit Christophe. Et premier carton. Donc, on va faire un plan serré, mon petit Noé, sur le joueur qui sort, si tu peux. Fabrice, voilà, on fait le plan serré. Fabrice, voilà, le joueur de Pontarlier. Allez, on va revenir sur la pénalité. Et Girard qui va tenter à nouveau. Donc là, on va se retrouver avec un coup de pied. Donc là, c'est le numéro 13 qui est sorti du côté de Pontarlier, c'est ça hein. 13, donc premier carton, l'après-midi. Et ça ne passe pas. Le but visiteur également. Le carton, le coup de pied qui passe à côté. Donc coup de pied raté par le numéro 15 à la 17e minute de jeu. C'est le 13 alors. Et donc... Allez, avec Fabrice ouais, qui nous fait des magnifiques images. Oh, petit coup de pied par-dessus, magnifiquement dosé. Est-ce qu'il est récupéré? Il est récupéré par l'équipe de Pontarlier. Malheureusement, on a rendu le ballon. Oui. Ok, entendu, parfait. Allez, on voit que Pontarlier, hein, c'est une équipe qui pareil, propose des temps de jeu bien structurés. On essaie donc d'alterner hein, des jeux d'avant et des jeux de trois quarts. Là, on essaie donc de fixer la défense chalonnaise par voilà, des putains de temps de jeu. Et là, on écarte avec les trois quarts qui proposent également des belles choses. Et magnifique attitude. Et il y a des beaux duels. Toujours ballon pour Pontarlier. Regardez,
ces duels, regarde ces images de Noé là, qui nous permettent de voir les magnifiques duels. Et là, on va revenir, malheureusement, on va suivre avec Fabrice voilà, l'arbitre. Et la gestuelle, elle est Fabrice, Christophe, pardon. Donc, pénalité, certainement. Donc, 19e minute de jeu, pénalité qui va être jouée au pied par Pontarlier. Entendu. Allez, avec ces images de Fabrice, avec ici le joueur numéro 16 qui a la touche. Donc lancé qui va être offert donc au talonneur de Pontarlier. Allez, touche importante. Tout à l'heure on avait loupé cette munition, on avait permis à Chalon de pouvoir revenir dans le camp. Allez, touche gagnée par Pontarlier. Toujours 3-0 pour Chalon. Et là, malheureusement, il y a une perte de balles pour les Chalonnais. Pontarlier. Oh, non, non, non. Ah, voilà. Voilà, on est avec Noé et puis avec le micro de Noé, donc ce qui nous permet d'espionner grâce à son micro directionnel donc ce qui se passe. Donc ces images bord de terrain de mêlée sont vraiment chouettes. Ouais, merci Noé. Merci Fabrice, regardez pour cette image plan serré. Voilà, on est gâté. Donc pour ce match international, on aura ce dispositif à votre disposition, à votre service, plus une caméra tourelle qu'on mettra en place. Et toutes ces images seront disponibles sur un écran géant mis en place par la société Business Event de Lionel Torossian, qui va nous permettre donc de pouvoir, pendant le direct, pendant le live, donc avoir le match qui sera présent. Allez. Mêlée gagnée par l'équipe de Chalon. Allez, coup de pied dans le dos de la défense. On fait reculer la défense de Pontarlier, mais qui était vigilante avec une relance du joueur de Pontarlier. Et turnover, nouveau turnover pour Chalon. Donc encore un ballon perdu. Beaucoup trop de ballons perdus pour l'équipe de Pontarlier. Hein. C'est le deuxième turnover concédé sur des ballons qui sont pourtant précieux. Ça va. Magnifique image de Noé. Merci Christophe pour ces précisions. C'est intéressant. Allez, puis Pontarlier qui enchaîne. Allez, magnifique image de Noé. On voit ici voilà, la lutte et le duel ici pour ce ballon. Il y a un beau duel d'avant. Une belle opposition, c'est vrai que pour l'instant, j'ai envie de dire, messieurs, on est sur une guerre du milieu, hein, où on est deux équipes qui n'arrivent pas pour l'instant à mettre l'équipe ou la défense en difficulté. On a une guerre du milieu de terrain qui se joue depuis le début de la partie, hein, n'est-ce pas Christophe? Oui, exactement. Hein, Fabrice, on peut dire que voilà, les avants font le travail en ce début de partie. Hein. Allez, pénalité à la 22e minute de jeu, 23e minute de jeu. Pénalité jouée au pied par l'équipe de Pontarlier qui va leur permettre donc, de pouvoir avoir un ballon dans les 22 mètres. Vraiment, regardez, sur ce plan large, on voit vous êtes vraiment à l'entrée des 22 mètres de l'équipe chalonnaise. Et nouveau lancer offert au talonneur de l'équipe de Chalon qui est Lucon, de Pontarlier pardon, qui est Lucon. Et voilà, et touche gagnée par Pontarlier sur une combinaison. Alors on a regardé ces images de Noé, on voit ici le duel et ballon perdu. Mmh.
Absolument. Voilà. Alors, le capitaine qui vient, Albert, qui vient aux explications, mais les explications sont claires. Hein. La gestuelle, elle est claire. Et puis, les attitudes de sol, hein, ce qu'on appelle les observables, permettre à M. Sassatelli de prendre une décision juste. Allez, on a la mi-temps de cette première mi-temps avec une pénalité, donc la 24e minute de jeu qui permet, quand on est sur ce plan large, on est rentré dans les 40 mètres de Pontarlier pour Chalon. Noé qui s'installe. Allez. Pas de souci. Pas de problème, pas de problème. Allez, magnifique offensive. Et voilà, ces trois quarts chalonnais là, qui ont des fourmis dans les jambes. Et par contre, contre-vrac, magnifique. Magnifique turnover de Pontarlier. Carton pour le numéro 10. C'est le numéro 10, hein, c'est ça, de Chalon? Tu peux me valider le numéro, Christophe? Mérigon, malheureusement, voilà, qui va abandonner ses camarades pour 10 minutes. Et là, le carton jaune de Pontarlier devrait rentrer dans 1 minute 30. Donc, on va être vigilant, Christophe, au retour. Comme ça, si tu pourrais me l'annoncer. Mais à mon chrono, 1 minute 30 pour le retour donc, du carton jaune numéro 13, si je ne dis pas de bêtises. Allez, on va suivre Noé. Regardez les bords de touche. Regardez, il suit le talonneur. Regardez, comme si vous étiez au bord du terrain. On ne peut pas être plus au bord du terrain grâce aux belles images de Noé. Regardez se lancer. Magnifique touche, en fond d'alignement, superbe. Donc 26e minute de jeu, pénalité de Pontarlier. Et avec une magnifique touche en fond d'alignement, gagné. Et Pontarlier là qui vont jouer les avants. Là. Allez, là on met les Chalonnais sur le reculoir. Et malheureusement, alors explique-nous la règle, mon petit Christophe. Je crois que la règle explique que le ballon doit être rendu à Chalon. Numéro 13 est rentré. Donc là, on est sur un coup franc, c'est ça? Non, pénalité. Mêlée, pardon, excuse-moi. Donc 27e minute de jeu. Mêlée offerte à Chalon avec des belles images de Noé. Ici avec attention. Le 13 est rentré. Donc retour du numéro 13. Voilà, sur cette image, on voit ici sur la carte que le numéro 13 est revenu. Et là. Donc là, on était sur un coup franc cette fois-ci. Par contre, coup franc joué à la main par Pontarlier. La Ranzulo là, qui échange avec M. l'arbitre. L'arbitre, vous avez entendu lors du TOS, la vidéo du TOS qu'on vous a présentée en avant-match, l'arbitre a été très clair, il y a que le capitaine qui peut causer, et Ranzulo bah, qui fait perdre 10 mètres à ses camarades. Donc sur ce plan large, regardez, on est à l'entrée des 22 mètres, et ça va être un coup de pied qui va être offert à Stab, donc en face des poteaux à l'entrée des 22 mètres, c'est bien dommage. C'est dommage, ça c'est vraiment du genre de choses bêtes. On est toujours frustré pour les joueurs qui se laissent déborder par leur
dirais-je, leur enthousiasme, leur émotion, c'est ça Fabrice, tu as raison. Hein. Pénalité réussie par le numéro 15 au stade. Reprise en gauche à la net 3, c'est à Pontarlier 3. Eh ben oui, exactement. Et donc, deuxième tentative pour Stab au pied, et Stab qui va permettre maintenant à son équipe de revenir à égalité. Et tout est à refaire pour l'équipe chalonnaise qui avait fait la meilleure entame de cette rencontre, mais qui malheureusement se laisse rejoindre au score par Pontarlier à la 29e minute. Et en plus, on est en infériorité numérique pour les Chalonnais pendant encore 6 minutes. Attention, attention. Donc à ces 6 minutes à 14, ça peut être compliqué. Allez, donc on va redonner le nom du talonneur chalonnais, c'est Grenron, que vous voyez ici, avec des belles images de Noé, on voit le talon. Et touche gagné. 30e minute. Par Chalon. Et pénalité. Alors, sur le plan large de Fabrice, on voit qu'on est donc à 30 mètres en face des poteaux et c'est dans les, tout à fait dans les cordes de Girard. Donc, on est ici, chers abonnés, comme vous pouvez le voir. On va voir ici le coup de pied de Girard positionné avec la préparation. Un petit plan serré donc de Noé qui nous permet de voir également le joueur. Voilà. C'est vrai que Noé qui est un jeune joueur et buteur et pour son équipe, voilà, qui est très attentif à la gestuelle des buteurs. Et chacun a un petit peu sa routine. Donc j'en profite également si vous voulez suivre. Pénalité réussie par la 31e minute par Girard, numéro 15. Donc comme vous pouvez le voir ici, on était en face des poteaux à 30 mètres. Voilà. Si vous allez sur une saison Novalis sur notre chaîne YouTube et retrouver l'interview de Romain Lombard, le l'ouvreur de l'équipe de France de l'armée terre, championne du monde, qui nous parlait notamment là de cette routine au pied. Voilà, et nouvelle pénalité. Chalon là qui malheureusement sur ses coups de pied de renvoi se met en danger. On passe devant au score, mais malheureusement, est-ce que c'est un manque de concentration Fabrice, ce genre de choses sur ces renvois? Parce que tu viens de prendre 3 points et chez toi, tu loupes l'engagement. Est-ce qu'il y a un peu de fébrilité du côté chalonnais, Fabrice, selon toi? Donc, Là on est à 30 mètres sur le côté, voilà. Donc coup de pied qui va être offert à Stab. Donc avec un plan de Noé, regardez-moi ces belles images de Noé que Noé nous offre. On va voir le positionnement du buteur, elle est concentrée. Et puis il faut essayer de permettre à l'équipe de Pontarlier de rester dans les clous. Et ça passe. Et pénalité à la 32e minute de jeu. 34e minute de jeu de Stab. Pénalité réussie par le numéro 15, Stab. Repris en gauche à la 6, c'est à Pontarlier 6. Et oui. Ouais, puis on voit une équipe de Pontarlier qui par contre sur les renvois, voilà, sur des renvois longs, un peu longs même, on pourrait dire, de Chalon, bah, qui se dégage sereinement. Pontarlier qui pour l'instant voilà, fait la bonne opération à l'extérieur avec ce nul acquis ou en cours d'acquisition pour l'équipe de Pontarlier. Et malheureusement en touche, là il y a des. Un peu trop de ballons perdus en touche.
34e minute de jeu et nouvelle touche perdue par Chalon. Et là, il s'est passé quelque chose. Ben oui, c'est dommage. Avec les supporters ici de Chalon. On t'excuse pas, Allez, lancé du talonneur. Et maintenant, c'est Pontarlier qui loupe la touche. Vous voyez, je pense que les joueurs aussi ont des problèmes au niveau de... le soleil leur fait de l'œil. Et ballon perdu par Chalon. Pas Pontarlier, pardon. Allez, coup de pied haut. Et magnifique relance, là. De Stable, là, qui montre qu'il n'est pas qu'un buteur. Et ici, voilà, on continue. Alors, c'est vrai qu'on a un soleil très rasant, tu as raison Fabrice, c'est vrai que moi j'ai mis un pare-soleil pour bien me protéger. Et une fois de plus, Chalon, là, qui j'ai envie de dire, déjoue, et qui joue, qui fait des fautes chez lui. Absolument. Et donc là, la pénalité, elle est sur la ligne des 40. Des 40 mètres, c'est ça? En face des poteaux. Hein. Voilà, on est bien placé. Avec un nouveau stable, la possibilité cette fois-ci pour l'équipe de Pontarlier de passer devant au score. Et donc il reste. Et poteau sortant. Donc voilà, coup de pied qui sort. Pénalité ratée par Stab. Beaucoup de lucidité de la part de Christophe Cabadéis, hein. C'est vrai que là... Allez, magnifique duel là au sol, regardez ici avec ces images, Chalon ici qui essaie donc de piquer le ballon à Pontarlier, il y a un magnifique duel, et alors le ballon je ne sais pas où il est, oui il est toujours pour les jaunes et bleus. Et petit coup de pied par-dessus, ça on aime ce genre de prise de risque. Et oui, et ça fait reculer le ballon du côté de l'embut. Non, pas de l'embut, on est encore dans les 5 mètres. Oh ! Alors là, magnifique. Ah oui, là ça c'est pas de cadeau. Hein. Ah oui, oui. Ah exactement. Et là, les tangos, là, qui... pénalité. Allez, on va revoir le ralenti, là, sur cette action. Regardez le joueur, là, qui... allez, hop, un petit tour de passe-passe. Et il enchaîne, et on voit sur l'image de Noé, qui va venir ici percuter. Boum! Magnifique image, grâce au ralenti de Noé. Alors là, ici, avec le plan large, on revoit ici, une fois l'action. Boum! Regardez voir, et là, la percussion, boum, a été impressionnante. Allez, on revient au direct.
Voilà, pardon, je reviens au direct. Voilà. Donc là, pendant le direct, donc, on est à la 39e minute de jeu. Pénalité pour Chalon, qui leur a permis donc, de pouvoir, ici, comme vous pouvez le voir sur ce plan large, pénalité, donc sortir du camp. Absolument. Allez, lancer. L'image de Noé, on va voir l'alignement. Et c'est gardé, gagné par Chalon. Allez, là, ça leur fait du bien d'avoir enfin des ballons propres aux conquêtes, mais non, malheureusement, une fois de plus. Allez, regardez, voilà, Chalon qui. C'est la mi-temps. Ah, c'est la mi-temps, pardon. Je croyais que c'était qu'on reculait de 10 mètres. Donc mi-temps, écoutez, mi-temps sur un score de 6 partout. Avec Noé, on va pouvoir appuyer sur le bouton rouge et arrêter l'enregistrement. Fabrice également, on appuie sur le bouton rouge. On va rester sur un plan large, mon petit Fabrice. Voilà, parfait. Je vais vous présenter les statistiques de cette première mi-temps. Avec deux pénalités de part et d'autre et deux cartons jaunes de part et d'autre. Deux ballons de récup, pareil, de part et d'autre. Donc comme quoi ce match est équilibré. Au niveau des pénalités sifflées, donc Chalon a subi 12 pénalités contre eux. Tandis que Pontarlier a été sifflé 9 fois. Donc gare à la discipline, tant les deux équipes sont proches. Donc au niveau des statistiques en touche, non j'ai pas, c'est pas celle-ci. Statistiques en touche, donc 17% de ballons loupés par Pontarlier et 25% pour l'équipe de Chalon. Donc il y a eu malheureusement beaucoup de ballons perdus en touche de part et d'autre. Par contre au niveau des mêlées, il y a eu deux mêlées et les deux mêlées ont été gagnées par les deux équipes. La discipline, on l'a dit, un carton de part et d'autre, donc gare à ça, il faut que les équipes soient capables donc, de rester disciplinées et ça pourra certainement faire basculer le match si les deux équipes ne restent pas capables de conserver leur nerf. Les ballons de récup, bon, ça montre que ce match est très animé avec deux ballons de récup de part et d'autre. Au niveau des pénalités, eh ben, du côté de Chalon, on a tenté 3 coups de pied et on en a voilà, raté un avec 5 ballons pour sortir de son camp et une pénalité jouée à la main. Pour Pontarlier, on a fait 4 tentatives, donc 50% de réussite pour Pontarlier au niveau des pénalités. 2 pénalités jouées à la main et 6 jouées au pied pour sortir de son camp. Au niveau de l'évolution du score, comme vous pouvez le voir, c'est Chalon qui a pris l'avantage au score, rattrapé par Pontarlier. Après Chalon qui a à nouveau repris l'ascendant, mais rapidement, tout de suite, Pontarlier est venu égaliser au bout d'une minute de jeu. Donc on est sur une première mi-temps extrêmement équilibrée. Donc on va en profiter pour faire une toute petite pause et on se retrouve dans 5 petites minutes. À tout de suite.
Exactement, nous voici de retour ici pour cette deuxième mi-temps, voilà, avec les images de Noé, voilà, la magnifique image de Noé en bord de terrain, voilà, on se régale. Les tribunes, voilà, merci Noé pour ces images de tribunes qui nous permettent donc de voir voilà, le stade Léo Lagrange. Alors c'est pas l'affluence des grands jours, c'est vrai que la météo hivernale peut expliquer aussi le manque de public. Donc, alors, petit Fabrice, sa caméra. Non, si pourtant la caméra est horizontale, mais on a l'impression que la tribune est penchée. C'est fou, hein. Alors que pourtant, t'es bien centré en bas au niveau de la ligne blanche. Non, mais je sais pas. Non, et au niveau du cadrage, c'est bizarre. Ça fait l'impression que c'est tout penché, mais pas grave. Donc, on est sur un score de 6-6 entre Chalon et Pontarlier. Alors, Noé qui est parti se rapprocher de l'équipe de Pontarlier pour nous faire un petit plan serré. Donc on va attendre que Noé soit prêt pour les joueurs qui... voilà. Donc Noé est prêt, regardez-moi ces belles images de l'équipe de Pontarlier là, qui reste unie, donc ils ne sont pas rentrés dans le vestiaire. Alors Fabrice, qu'est-ce que ça veut dire ça, cette équipe de Pontarlier qui reste sur le terrain pour se recentrer? Ouais. Noé donc, appuie sur le bouton rouge pour l'enregistrement. Ouais. Dis-moi. Ouais. 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 Je ne sais pas. Ça va revenir, ouais. Ça y est, on l'entend. Oui, bah en fait, la console était éteinte. Il y a eu un souci lors des branchements. Il y a le transformateur qui s'est malheureusement enlevé. Nickel. Allez, elle est partie. Bah, désolé. C'était un problème juste de transformateur qui était coupé. Bah, désolé, Christophe. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est quand on a... Voilà, on entend bien là. Ouais, je vais baisser peut-être un petit peu sur les copains, non? Et c'est parti pour 40 minutes de bonheur. Non, Christophe, j'étais en train de faire un réglage, je vais reprendre. Je te demande un petit instant. Je suis désolé. Donc là, hop, je suis juste un peu en retard. Allez, touche. C'était lancé pour Pontarlier. Hein. Non, le lancé, c'était pour qui? C'était pour Chalon, pardon. Lancé pour Chalon, on est d'accord. Et turnover pour Pontarlier. Je vais y arriver. Excusez-moi. Pontarlier, le 20. Je suis désolé, mais en fait,
Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu malheureusement un petit règle, l'adaptateur qui s'est défait. Fabrice, tu m'entends? Est-ce que tu as mis en enregistrement, mon petit Fabrice? Parfait. Tu appuies sur les boutons rouges, donc c'est parfait. Pénalité pour Chalon à la 42e minute de jeu. Ah, magnifique image de Noé qui me permet de voir le... Et voilà, malheureusement, Pontarlier. Voilà. Et ballon récupéré par Pontarlier suite à, une fois de plus, à cette erreur. Hein, pourtant, les choses sont claires, hein, Christophe, à chaque fois. Allez, on voit ici les joueurs qui se remettent en place grâce aux images de Noé. Ici, monsieur Sassatelli. Oh là, Fabrice, qui c'est qui t'a mis les coups de coude? Qui c'est qui te bouscule, mon pauvre Fabrice? Ça va, Fabrice? On a perdu Fabrice. Ouais. Ouais, t'es à côté de mon travers. Allez, on va venir sur ces images-là. On reste sur Noé en attendant que Fabrice règle le pied. Allez, c'est Noé qui vous permet donc d'avoir les images. Fabrice, tu es quand t'es prêt, tu nous le dis. Bon, Fabrice. Voilà, bah c'est déjà mieux. Oui, on avait il y avait un problème de caméra. Tu perdais l'horizontale petit à petit, donc il y avait certainement une partie du pied qui se desserrait. Mais voilà, on rentre dans l'ordre. On mettra un petit coup de scotch la prochaine fois. Ouais. Par le numéro 20, ouais. Ok. Ouais. Le 21 à la place du 12. Parfait, merci Christophe. Eh oui, avantage. On va revoir l'action ralentie, ouais. On voit ici la faute de main. On voit l'action, ouais. Donc là, on va se retrouver avec une nouvelle pénalité pour Girard. Alors, je suis en train de préparer juste le positionnement du coup de pied, Christophe. Dans l'axe à 45 mètres. Ah ouais, on a entendu, ouais. Il a pioché, comme tu dis, Christophe, c'est le terme, c'est ça? C'est le terme, il a pioché. Oui, oui, oui.
Bah oui, oui. Hein. C'est vrai que c'est quand même plus agréable de pouvoir l'entendre. Et avantage en avant, voilà, ballon rendu à Pontarlier. Voilà. Et voilà, on va avoir une mêlée. Alors, une mêlée intéressante, hein, mêlée en face des poteaux, mais en milieu du terrain, donc qui va permettre peut-être à Pontarlier soit de se dégager et en choisissant côté droit, côté gauche, donc de mettre de l'incertitude sur l'équipe chalonnaise, soit de tenter une relance. À mon avis, voilà, au début de deuxième mi-temps, on va peut-être pas tenter le diable. On va revenir sur les stats en mêlée. Comme vous pouvez le voir. Avec les images de Noé bord de terrain, on voit ici les joueurs qui se repositionnent avec le talonneur. Alors pour Pontarlier, tu peux me redonner les numéros, parce que j'avoue que j'avais jappé pour Pontarlier, Christophe. Mais quand tu... Entrée en jeu du numéro 16, Théo Bayo. Pour Tango. Le 16 remplace le 2. Ouais. Le 7 remplacé par le 20. Parfait, merci. Par contre, ouais, Chalon là qui chasse bien l'équipe de Pontarlier et qui les fait reculer. Et ballon récupéré par Chalon là qui sur cette défense. Voilà, a été. Donc 50e minute de jeu et pénalité jouée par Tango au pied qui va leur permettre donc d'avoir une touche en terre jurassienne, j'ai envie de dire. Donc juste sur la ligne des 22, comme vous pouvez voir ici sur ce plan large. Voilà, ici on voit Noé qui se rapproche. Le plan serré, on voit ici l'arrivée de Noé avec son gilet jaune. Le petit ramasseur de balles. Allez, le numéro 16. Et touche gardée. Allez, Chalon qui a un petit peu du mal sur ses conquêtes en touche. Mais là, c'est conservé. Allez, on revient. Petit côté. Ouais, avec la belle offensive là, du numéro 6. Est-ce que ça va aller à la dame? Non. Allez, t'as volé. Ah ouais. Magnifique coup d'intervalle. Essai de Chalon. Alors quel est le joueur qui a marqué l'essai? Le 16, on va revoir le ralenti, on va cette action avec l'image de Noé, avec la percée du 16 qui va venir ici perforer la défense. Numéro 16, 51e minute de jeu. On voit l'essai numéro 16, ici, troisième ralenti, voilà. On voit l'essai le 16 ici, qui prend l'intervalle. Et magnifique essai du numéro 16. Voilà, superbe. Et donc la transformation va se faire... Oh, pardon. J'ai fait un réglage qui n'est pas bon du tout.
Donc, transformation réussie par le numéro 15, Adrien Gérard. Repli tango, chalonnet 13, c'est après Tarnier 6. Et l'entrée du numéro 17, Bastien. Attends deux secondes, mon petit Christophe. Donc pour Chalon, je t'écoute. Et le numéro 18, Romain Spinel. Le 18 qui remplace le 3. Entendu. Et puis Chalon voilà, qui prend enfin voilà, le leadership de ce match en deuxième mi-temps pour le plus grand plaisir de ses supporters et qui va permettre voilà, de pouvoir entamer cette deuxième mi-temps sous les meilleurs auspices. Et malheureusement, on se remet une fois de plus à la faute. On voit cette équipe de Pontarlier qui, dès qu'on rentre dans le camp de Chalon, on est pragmatique. Et ça passe. Pénalité réussie donc à la 54e minute de jeu par le numéro 15, Stab. Pénalité, pardon. Du numéro 15, Stab. Repli tango, chalonnet 13, c'est au Pontarlier 9. Et malheureusement, voilà, Chalon n'est pas à l'abri avec 4 points de seulement d'écart entre Chalon et l'équipe de Pontarlier. Pontarlier qui est dans le bonus défensif, mais qui peut, vu ce qu'il propose, espérer mieux. Hein. Fabrice, hein, on voit cette équipe de Pontarlier qui ne lâche rien. Alors est-ce que... On va revoir l'action ici, le ralenti. Voilà. Il y a en avant. Non. Alors, on est perdu. Voilà. Chalon là qui suite à cette mêlée et turnover pour Pontarlier. Ah c'est dommage. Turnover pour Pontarlier sur cette ce ballon récupéré à la 56e minute de jeu et malheureusement on le rend. Bon, on n'a plus d'image de Noé. Noé, je vérifie tes câbles, mon Noé. Mais ah ça y est, c'est revenu Noé, autant pour moi. Monsieur l'arbitre très souriant avec les joueurs, on voit qu'il est décontracté, il maîtrise voilà, le match avec la communication qu'on expliquait tout à l'heure, hein, qui est très importante dans le rugby moderne. Allez, avec Donnet qui récupère ce ballon en mêlée, on a reculé un petit peu, le turnover. Deuxième turnover de suite pour Pontarlier. Tranquille, tranquille.
magnifique attitude en défense. Hein. La pénalité est jouée rapidement à la main par Chalon et qui veulent, les Chalonnais veulent emballer ce match. Allez, ben cette fois-ci, c'est un ballon rendu à Pontarlier, sur la ligne des 22 mètres. Et Pontarlier qui est solide en conquête, qui gagne cette touche. Allez, l'arrière là, qui récupère ce ballon. Magnifique relance, boum! Mais là, on est chassé par Pontarlier. Magnifique attitude en défense de l'équipe de Pontarlier qui met Chalon en difficulté. Par contre, ah, 58e minute de jeu, une nouvelle pénalité jouée au pied par Chalon suite à ce talonnage à la main. Oui, il est. Hein, Christophe, hein, depuis le début, il est dans la pédagogie. Hein, non, mais c'est clair, c'est clair. Mais c'est vrai que, bien sûr, je pense que ça fait partie des joueurs d'essayer de tenter de pouvoir récupérer le ballon en jouant un petit peu de filouterie, si je peux me permettre. Mais il est très attentif. La magnifique touche en fond d'alignement. Oui. Pour Chalon. Allez, t'as volé. Ouais. On va écouter l'arbitre, je montre le son. On va se mettre. Bon, bah ça va, pédagogie. Hein, Christophe? On l'avait vu, à la mi-temps, il y avait 12 pénalités d'un côté et 9 de l'autre. Donc là, on va revenir ici à 15-14. C'est très équilibré, hein, 15-14, là pour l'instant, au niveau du nombre de pénalités. Et là, on va offrir un but facile pour Girard, qui va pouvoir, ici, pratiquement à 10 mètres des poteaux, on va voir ce plan large de Fabrice. Ça ne devrait pas poser de problème au maître artificier Chalonnais, Girard. Alors, on fait le coup de pied puis on donne les changements après, s'il te plaît. Donc là, c'est vert, donc c'est passé. Tac. Donc on est à la 61e minute de jeu, pénalité réussie par le numéro 15. Voilà, on est à 16-9 et je t'écoute pour les changements. Ouais. Le 16 remplace le 1. Parfait, merci Christophe. Pour ça, vous avez la composition des deux équipes en direct, chers amis. Et là, ouais, magnifique image de Noé. On voit Grenron, là, qui essaie d'influencer l'arbitre. Ouais, un petit peu d'échange. Thank you.
Ah, pardon, je disais que c'était dans le Gérard, donc Pontarlier c'est dans le Doubs. Ah, bah, faut que je révise ma géographie de Franche-Comté. Mince. Ah ouais, je sais pas. Non mais écoute, si j'ai dit une bêtise. Je suis Pontarlier si vous voulez. C'est du Doubs ou c'est du Jura? C'est du Doubs. Non, t'as raison, c'est moi qui avais dit des bêtises. Allez, avec ici, sortie de Ranzulot. Avec cette image de Fabrice, on voit Ranzulot, le pilier droit qui sort. On va surveiller le remplacement, mon petit Christophe. Tu nous diras le remplacement. Merci Christophe. Allez. 930 mètres d'altitude. Nous pouvons aller qu'à 930 mètres d'altitude, je l'ai vu, le fils. Comment? Ce matin, il faisait moins 8. Et ce matin, il faisait moins 8. Merci beaucoup. Allez. Remplacé par le. Non, ben 17, il remplaçait déjà le numéro 1. Ouais. Ouais, le 17, il remplace le numéro 1, tu m'avais dit. C'est pour ça que. Et pénalité, jouer à la main rapidement. Ah, c'est le 1 qui est rentré, parfait. Merci Christophe. Excuse-moi. On va écouter l'arbitre. Je pense que là, il y a le carton, à mon avis. Hein. Carton blanc malheureusement. Alors c'est pour quel numéro? Alors, tu vas nous pouvoir nous dire, mon petit Christophe, c'est le jour. Voilà, merci Fabrice pour ces belles images. C'est le 19. Alors le 19 de Pontarlier. C'est ça, faute cynique. Et ça passe. Donc, vous serez orange. Pénalité réussie par le numéro 15, Adrien Gérard, rugby tango chalonnais 19, CA Pontarlier 9. Alors vous revoyez à chaque fois régulièrement le TOS qui apparaît, la vidéo du TOS, c'est parce que j'ai fait un raccourci, un copier-coller qui n'est pas bon, et faut que je corrige ça parce que j'ai la vidéo qui apparaît à chaque fois. Donc attends, deux secondes, 60. Donc là, 65e minute de jeu, pénalité jouée au pied par Pontarlier. Je t'écoute pour Pontarlier, le remplacement, je t'écoute. Voilà, et le 4 remplacé par le 17, merci. Non mais c'est cool, c'est vraiment chouette. Et contre, et malheureusement, pénalité, touche perdue par Pontarlier. Ouais. Et nouveau carton. Et c'est quel numéro qui sort? Et on va garder le numéro, merci Noé, et c'est le numéro, c'est le talonneur, le numéro 16, qui sort de Pontarlier. Le numéro 16. Non, le qui était pilier droit, pardon. Pilier droit. Donc c'est le troisième carton. Mmh.
Et donc là, Pontarlier qui va jouer à 13. Regardez, 8 minutes pour le premier carton blanc. Et là, encore 10 minutes pour le deuxième carton blanc. Donc là, on avait évoqué à la mi-temps que la discipline entre ces deux équipes qui étaient très proches l'une de l'autre lors de cette première mi-temps allait être primordiale. Et malheureusement, Pontarlier qui perd le bras de fer au niveau de la discipline. C'est bien dommage. Et ça risque de leur coûter... Oh, magnifique contre! Magnifique contre en touche. Donc pénalité par Chalon. Et touche perdue. Et Pontarlier là qui sur cette touche voilà, fait beaucoup de mal en contre. Hein. C'est, ils ont récupéré bon nombre de ballons en touche. Donc en conquête, il y a du travail encore du côté de cette équipe chalonnaise, extrêmement joueuse, mais qui en conquête a encore du boulot. Hein. Fabrice, hein, c'est important, la mêlée, mais la touche aussi en conquête. Hein. Ben oui. Alors c'est vrai que, franchement, moi, quand on regarde ce que vient de produire l'équipe de Pontarlier à l'instant, là, imaginez qu'ils étaient à 13, deux joueurs en moins. Ils arrivent à chipper le ballon, ils arrivent à proposer différents temps de jeu et à faire reculer l'équipe chalonnaise. C'est une équipe de Pontarlier qui propose de belles choses, mais qui malheureusement est aujourd'hui pénalisée par son indiscipline, hein, Christophe, hein. Donc là, la règle des carences, c'est ça, mon petit Christophe? Alors, explique-nous. Alors, là il y a 8 joueurs contre 6 joueurs, c'est ça, hein? On est obligé de mettre des 3 quarts, c'est ça? On va pas bien. Et donc là, on est mêlé simulé ou pas là pour l'instant? Pas en mêlé simulé. Ah ouais. Ouais, mais Pontarlier qui sont, même avec des joueurs en moins, qui mettent le Chalon sur le reculoir en mêlée. Bien sûr, hein. Magnifique équipe de Pontarlier qui en conquête, voilà, donne du fil à retordre aux Chalonnais cet après-midi. Ouais. Oh. Allez Noé, on va être sur un petit plan serré sur la mêlée, mon petit Noé, ce qu'on voit là. Merci. Parfait Noé, super. Et maintenant, ballon rendu à Pontarlier. Et Pontarlier, ouh! Allez, t'as volé! Et il y a du duel, il y a du duel Pontarlier. C'est une équipe doubiste qui est courageuse. Ouais! On va voir le ralenti. On va voir l'action. Et malheureusement, ouais. On va voir l'action. Là, sur les différentes images, on voit ici qu'il y a eu une faute. Une faute de main. En avant, comme vous pouvez le voir. Voilà, on va revenir sur le direct. Donc, alors là, on est sur un faux rythme, les copains. Troisième mêlée de suite en moins de 3 minutes. Ouais, on est sur un faux rythme là, avec des équipes peut-être un petit peu fatiguées. Mais oh là là, mais quelle poussée, Diédou. Chalon qui garde son ballon, mais que c'est dur, hein. Magnifique. Ouais,
Voilà, j'apprécie vraiment cette décontraction de l'arbitre parce qu'il peut à un moment se tromper ou en tout cas partir sur une mauvaise décision, mais dès qu'il s'en rend compte, il le fait avec beaucoup de transparence et de décontraction. C'est vraiment très agréable. Hein. Allez, touche maîtrisée par Pontarlier en infériorité numérique. 72e minute de jeu, cette équipe de Pontarlier qui propose des choses. Ah non, c'est vraiment. Là, même si l'équipe a été trop indisciplinée aujourd'hui pour pouvoir espérer mieux. Oh, mais regardez-moi cette action! C'est grande classe! Magnifique action et turnover. On va revoir l'action. On va revoir. On va juste revoir la fin, ouais. On va voir le replay, mais on voit pas la fin de l'action. Encore un carton. Le carton jaune pour le 15. Pour t'aller, j'ai plus assez de cartons jaunes pour être disponible. Mais c'est quel carton, c'est quel joueur de Pontarlier qui prend le carton jaune? C'est numéro 10. Quatorzième minute de jeu, quatrième carton jaune pour Pontarlier, donc là qui malheureusement va subir encore 10 minutes. Alors il y a la rentrée d'un carton jaune, mais malheureusement là, retour, mais le carton jaune pour le numéro 10. Donc ils vont jouer à 13 encore quelques secondes. Là il y a un joueur qui ne devrait pas tarder, tu nous avertis Christophe quand il rentre. Et l'équipe qui va jouer à 13, non à 12 pendant quelques secondes encore. Ah, c'est trop compliqué pour pouvoir. Et touche perdue, une fois de plus, par Chalon. En conquête, voilà, on est trop imprécis en conquête. Retour du carton jaune, hein, Christophe. Hein. D'accord, parfait. Allez, il reste 5 minutes de jeu dans cette partie. Ah, magnifique image de Noé. Et magnifique banderille de Pontarlier. Pontarlier qui propose des belles choses avec deux joueurs en moins qui arrivent à faire reculer Chalon. Ah moi franchement cette équipe de Pontarlier je la trouve vraiment séduisante. C'est dommage qu'elle soit malheureusement aussi mal classée et autant en difficulté hein, dans ce groupe 1 de Fédéral 1 parce que cette équipe propose vraiment des belles choses. Et contre. Et malheureusement ça va être la messe. On va voir, voilà, grâce à Noé, voilà l'image du sprint du numéro 21 qui
va venir aplatir ici dans l'embut. On revoit les ralentis. C'est ça. Essai du 21. D'ailleurs, on voit le ralenti, les trois images. Ah ouais, là, il a jailli de sa boîte comme un diable, ce joueur de Chalon, et va permettre d'offrir à son équipe la victoire. Ah ouais, il a mis les cannes. Hein. Donc... Et ça passe, il s'est transformé par le numéro 15. Ah, c'est le 22. C'est le 22 qui... Le 21 remplace le... Dis-moi, Christophe. Le 21, alors le 23... Allez les bleus, on leur sourire. Allez, il reste moins de 2 minutes de jeu. Ah, mais c'est... Allez, turnover pour l'équipe de Pontarlier. Ah, c'est une magnifique équipe de Pontarlier qui, franchement, mérite mieux, qui a été trop indisciplinée cet après-midi pour pouvoir espérer mieux et en avant. L'arbitre qui se met au milieu, hein. Ah, c'est courageux, hein, l'arbitre. Hein. Ah non, mais on a un arbitre de caractère. Allez, on va écouter l'arbitre, on va faire un petit plan serré. Ouais, je pense qu'il le relève pas, il évite de mettre de l'huile sur le feu. Ouais, bien sûr. Mais Christophe, j'ai envie de te dire qu'on n'a pas de chance. C'est juste normal. C'est qu'on a une formation du corps arbitral qui est juste excellente en Bourgogne-Franche-Comté. J'en profite pour tirer un coup de chapeau à Christophe Bouillet, le responsable des arbitres de la Bourgogne, et également Damien Devissa, Charles Morel, les arbitres qui sont au plus haut niveau en national de cette ligue. Mais on a un corps arbitral de très très haute qualité. Et en fait, tous les week-ends, on ne fait que confirmer ça, Christophe. Hein. Exactement. Bien sûr. Non, mais c'est vrai que Christophe, c'est pas de la démagogie, mais c'est en fait c'est une confirmation semaine en semaine de la qualité de nos arbitres. Et c'est un régal que de pouvoir collaborer avec une saison Novali et de pouvoir les entendre et comprendre encore mieux la règle de ce sport grâce à eux. Absolument. Et ils le font vraiment avec beaucoup de sympathie. Et voilà, c'est la fin du match. Ce sera la dernière action. Et le chronomètre est écoulé. Et peut-être encore... non, peut-être pas au micro de au chronomètre de l'arbitre. C'est vrai. Autant pour moi. C'est vrai, merci de le rappeler. Pénalité jouée au pied par Chalon. Et puis Chalon, qui veulent continuer à jouer, il pourrait... Oh là là, puis Chalon qui veut jouer jusqu'au bout. Hein, 26 à 9 pour l'équipe chalonnaise qui a marqué deux beaux essais, notamment cette magnifique interception du 21. Et on se retrouve grâce à ce coup de pied de pénalité. Bah bien sûr, bien sûr. Oui. Magnifique touche. Attends. Et comme par hasard.
Et c'est de quel numéro? C'est Tiber, c'est le numéro 13. C'est le lié. On va voir le ralenti. C'est ça. Parfait. Et c'est 22, c'est le 22 qui a transformé. Hein. On est d'accord. Eh ben, magnifique rencontre qu'on a pu vivre grâce aux moyens techniques de Une Saison Novalie. Merci à Fabrice Maître pour les images. Merci à Noé pour les images bord de terrain. Regardez-moi les joueurs qui se saluent. Merci Noé. Merci Christophe de nous avoir permis d'avoir toutes ces informations bord de terrain. Je ne sais pas si tu as des coachs de Pontarlier vers toi ou de... Ouais, je pense qu'il y a de la déception, de la frustration, parce que cette équipe de Pontarlier qui perd sur un score de 33-9, c'est une équipe qui a montré de très très belles choses. Moi, je suis agréablement surpris par cette équipe de Pontarlier qui, bien sûr, est indisciplinée et avec 4 cartons jaunes aujourd'hui, ne pouvait pas espérer mieux que de ce déplacement en Saône-et-Loire. Mais c'est une équipe qui ne lâche rien, qui a montré des belles valeurs de combat et qui a proposé même en infériorité numérique de très beaux mouvements. En tout cas, c'est une équipe qui mérite d'être suivie dans le doux. Donc allez nombreux suivre cette équipe de Pontarlier qui mérite énormément de respect de notre part et de part de tout le monde. Et ben, voilà, grâce à ces belles images de Noé bord de terrain où on voit les joueurs qui se saluent, voilà, on va vous saluer. Voilà, c'est la fin de ce live sur un score de 33-9. Victoire de l'équipe chalonnaise dans un match à 8 points. Match important pour faire la qualification, pas la qualification, mais le maintien, déjà dans cette poule de Fédéral 2, mais aussi une possibilité de pouvoir se qualifier pour la suite. Donc, sur ces images, on vous souhaite à toutes et à toutes une bonne soirée et on vous dit à très bientôt.